Bientôt, on se retrouve sur CMX 59. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Clash Royale. Et une mise à jour en plus, hein. Je crois que c'est une mise à jour parce que maintenant il y a la reine 9. La fameuse arène de la jungle, j'ai reçu une méga gargouille, tiens, intéressant. Par contre, j'ai zappé un truc, j'ai zappé les coffres en bois. Quel dommage. Ça fera des coffres en bois de moins, malheureusement. Donc nous avons 3 coffres en or, un coffre géant et un coffre à couronne. Sabacane. Des gobelins Sabacane, d'accord. C'est sûr qu'il va les avoir parce que vu la reine qu'il est. Quel dommage, moi qui étais passé à reine 7. Bon, donc là, on va essayer de se taper une épique. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans le coffre en bois, j'ai eu un sort de poison. Donc attendez, il est là. Donc on va l'améliorer après. On va essayer d'avoir une légendaire. On vise une légendaire. Au moins un Molosse ou bébé ou dragon de l'enfer, ça serait déjà bien. J'ai fait lancer un combat. On se demande qui est stupide ici. Alors par contre, je voudrais savoir qu'est-ce qui est mieux. Coffre en or. Coffre géant. Ah ouais, mais punaise! On n'a pas énormément de chance d'avoir une légendaire dans le coffre en géant. Mais bon, on va se taper au moins 2 épiques là. On va prendre au minimum 2 épiques. Après, on peut en avoir plus, mais. Alors là, je serais content d'avoir un super truc. Je comprends pourquoi le coffre géant est mieux que le coffre épique. Le coffre épique, là, il est encore mieux. Hein. Qui est mieux que. Attendez, il fait noir. Ah, c'est mieux quand on a une lumière. Je comprends pourquoi le coffre magique est moins fort. Bon. On vise une légendaire. Moi, je suis en train de manger une 6-7 tranquillement. Bon, c'est parti. Coffre en or, numéro 1. Et on va tomber sur. Si on a des gemmes, on n'aura pas des piques. Oh, géant royal! Géant royal! C'est une carte commune, t'as aucune gloire de l'avoir. Il n'y a aucune gloire d'avoir un géant royal, je viens seulement de le débloquer. Mais pourtant, je suis en N6. Ah ouais, mais peut-être que le coffre en or que j'ai eu là, je l'ai depuis que je suis en N7. Parce qu'en fait, je veux pas vous dire, mais ça fait depuis une semaine et demie que je peux faire le pack opening, mais je peux pas le faire à cause parce que j'ai pas les bonnes conditions. Donc, j'ai débloqué Jean Royal, carte commune en plus. Hein. Ouais, donc c'est un coffre à N7. Oh ouais, bah vu le nombre de cartes. Voilà. Ouais, c'est un coffre à N7, méga garou, c'est bien. Donc on a eu le géant royal, oui. J'ai le géant royal. Alors, géant royal. Ah ouais, d'accord. J'imagine princesse et géant royal. J'ai le géant royal. Ah, personne n'est cool, c'est pas grave, au moins on voit que je l'ai. Bon, nous allons passer au deuxième coffre en or. Si on n'a pas de gemme, on peut avoir une épique. On peut en avoir une. Ah, c'est aussi, c'est un coffre en or N7. Alors on va améliorer. On va améliorer au niveau 3, géant royal. Bon, on n'a pas eu de commune. Ah si. Ouais, mais pas assez. Donc on a encore eu des géants royaux, c'est parfait. On va l'améliorer.
Voilà. Ah. Quelqu'un est connecté. Je viens d'avoir des Valkyries, du coup je peux en donner. Ah, ben je peux améliorer la sort de poison. Où es-tu? Ah, t'es là. Bon, nous sommes passés au troisième coffre en or. C'est parti. Si j'ai pas de gemmes, je peux avoir une épique. Si j'ai pas toutes les communes, enfin, il faut que j'ai toutes les rares d'un coup et il faut que j'ai les communes. Pas d'épique. Ouais, pas d'épique. Ah, les Valkyries, on m'en a tellement volé. Non. Je... Là, je fais le pack. Là, je fais le pack opening. Et donc, nous allons faire le coffre à couronne. S'il n'y a pas de gemme, on se tape une épique ou même une légendaire. Bon, d'accord, là. Bon, des gemmes, donc il n'y aura pas de légendaire. Il n'y aura pas d'épique. Enfin, je crois que... Non, il n'y a pas d'épique. Ouais, voilà, il n'y a pas d'épique parce que... Et j'ai eu que des cartes nulles. Alors, le coffre... ultime géant. C'est plutôt le coffre grand. Il est grand, il est géant. Bon. Alors. Attendez. Bon. C'est passé quoi durant le combat? 3-0. Donc. Et le coffre ultime, le coffre. Ok, j'attends, d'accord. Le coffre ultime, le coffre géant. Bon, à moins que j'ai de la méga... Si j'ai pas de gemme, je peux avoir une épique. J'aurais dû le dire. Donc, un sort de gemme, bah, c'est génial. Mais du coup, il y aura qu'une seule épique. Il n'y aura pas de légendaire commune et rare. Là, attention que... Ah non, pas des géants, non, 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 on reçoit plein de géants, mais là, c'est pas le bon. 186 Tesla, je vais me massacrer. Ah ben, c'est simple, je vais tous les tuer. Par contre, on reçoit beaucoup d'argent dans le coffre géant. Ah ouais, quand même. Si j'aurais eu RN7, j'aurais eu plus épique que ça, en fait. Alors... j'ai le droit de me suicider? Non, ça. Alors. Oh, attendez. C'est parti, un combat contre un membre du clan. Alors, c'est le plus fort du clan. Arène 9. Bordel. What? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai pas la Valkyrie encore. Ça bug. Oh,
et à détruire ma tour. Il est nul le sorcier de Dust, hein, je trouve. Allez, boum, enfin. Qu'est-ce qu'il va faire pour contrer ? Absolument que dalle. Alors. Eh ben. Oh. Non. Non. Le sauveur de l'équipe est mort. Allez, au revoir. L'arbre de garou, elle fait mal, hein. Contre les grands monsieur. Le genre il s'est fait déglinguer par la horde de gargouilles. J'ai joué contre un des meilleurs du clan. Donc voilà. Belle petite partie. Hein. Je connais pas les nouveaux, mais le gobelin avec le masque peut remplacer la mousque. Merde. La mousque merde, d'accord. La mousquetaire. Mais écoute, à combien en fait ? On va aller sur son petit pseudo, sur son compte. Non. Je trouve personne qui joue avec les nouveaux là. Comme j'ai vu, hein. Bon, sinon, un petit combat. Ah, on fait un petit combat, puis après, on ouvre notre coffre en bois. C'est parti. Il est niveau 6. Bonne chance, là. Parce que il va en avoir besoin. Je ne voyais pas comme ça la réaction du joueur. Je la voyais plus dans ce style là, ouais. Il joue prince niveau 3. D'accord. J'ai des petits bugs de cours. C'est pas grave.
qu'ils restent où ils sont. Pas envie qu'ils gênent mon petit bonhomme. Hein. Voilà. Je suis bien dans la merde. J'étais obligé de mettre ma Valkyrie en fait pour défendre. Elle va le faire, elle va se faire déboîter. J'aime pas ceux qui jouent fournaise. Vraiment. Rien après, c'est faut juste la Valkyrie. Punaise, j'aurais pas la... J'aurais pas la Valkyrie, attends. Ah, ça fait mal à la base. J'ai mal. C'est un niveau 6 et il me met mal le niveau 6, moi. Et à voir ce qu'il va voir là. C'est Just Do It. Ouais, bon, la Valkyrie. Parfait. Valkyrie. Tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Bordel, il m'a eu. Oh, même pas. Ah ouais, il reste un prince. Vite. Ouh. Là, on est tout juste. On est tout juste et en plus, elle va. Ah si, elle a survie. Elle survit. En fait, sur un niveau 6, on peut lancer un assaut, ça va pas beaucoup gêner. Là, il va mettre les esprits de feu. Voilà. En fait, une attaque, c'est toujours pareil. La plupart du temps, quand je me bats contre un joueur, ces attaques sont toujours pareilles. J'ai raté ma tornade et je meurs. Ah, j'ai raté. Ah, si j'aurais pas raté, j'aurais réussi. Bon, jouer une épique dans le coffre en bois pour qu'il nous remonte le moral. Je veux une épique dans ce coffre pour remonter le moral d'une défaite. Je vais les tuer. Enfin non, il demande que... Ouais, bah, je vais bel et bien les tuer en fait. Bon, soyez positif. Je refais un combat jusqu'à on termine la vidéo sur une réussite. Mais à chaque fois, je gagne quand je joue contre un niveau 8, 9. Mais quand je joue contre un niveau 7, 6 ou 5, je meurs tout le temps. Avez-vous compris quelque chose? Non? Bah, moi non plus en fait. Alors là. Oh! Ah, il a pas vu ce que j'ai fait parce que. Non, même. Les gobelins à lance. Non, j'aurais pas dit. Ouais, mais même là, ça fait très mal. C'est un mauvais début qui prend. Mais comme ce que j'ai dit, je gagne tout le temps contre un niveau 8. Bon, après, là, c'est que le début. Voilà. La mousquetaire qui se sacrifie pour la tour. Donc, à chaque fois, quand je me bats contre un niveau 8, eh ben, je gagne tout le temps. Quand c'est un niveau en dessous du mien, c'est dur pour moi de gagner à chaque fois. Va t'en comprendre. Il joue deck spawner, ok. C'est à dire que la Valkyrie. Ouais, il joue vraiment bon deck spawner. Oh le deck. Sauf que moi j'avais déjà joué deck spawner une fois. Il y a un gros problème avec le deck spawner. C'est. Et dégâts de zone. Donc ça veut dire que la horde de gargouille elle va faire très mal sur ce deck. C'est pour ça que tout à l'heure il n'a pas pu me contrer mon deck. C'est pas un deck à contrer facilement en fait. Voilà, 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 voilà. Allez, au revoir. Voilà. Bon, je dis ça, mais en fait, il m'a mis mal en fait. D'accord. Voilà, en fait, il se met mal tout seul hein, parce que même les gobelins à lance, ils arrivent pas à. Il sait pas. En fait, pour contrer la horde de gargouille, il n'arrivera pas comme ça. Bon.
Par contre, j'ai remarqué qu'en fait, ils font très mal à la tour, les gobelins à lance. Bon, on va tenter une petite assaut, hein. On a beaucoup de... Ouais, bah voilà, je vais me taper un sorcier, hein. Parce que là, quand même, c'est pas tout ça, mais... Allez, on va arrêter la tour, là. Arrêter la drogue. Donc là, on va se taper une horde de gargouilles. Voilà, il met un genre en défense, mais moi, je m'en fiche, hein. Ça changera pas grand-chose. Je mets une nouvelle mousquetaire, ça fait mal deux mousquetaires, quand même. Alors là, j'ai... Le gars il tente le tout pour le tout, bah moi je vais la tenter aussi en fait le tout pour le tout. Je vais tenter. Allez. Ah ne me dis pas qu'il va gagner. J'ai toujours gagné contre un niveau 8. Bah voilà. Bon, en tout cas, je veux pas vous dire, c'était tout juste, en tout cas. Là, j'ai peut-être fait un truc hyper stylé, mais c'était tout juste. Je vais pas vous dire que c'était pas juste du tout. Il a fait un truc de merde. Là, arrêtez les conneries. Voilà, merci. Venez à moi. Il me faut la mousquetaire. Il me faut... Ah non, c'est pas la mousquetaire. Il me faut la Valkyrie. Boum! Ah, ça fait mal quand tu perds tout ça. Quand tu perds tous des troupes comme ça, ça fait mal. Je crois que... Je sais pas comment il sait que ça allait se passer comme ça. Ça se voit peut-être. Bon là je balance tout parce que ouais, de toute façon ça va pas faire grand chose. Bon. Une égalité. On termine la vidéo sur une égalité. Ça fait quand même une couronne donc on peut dire que je suis gagnant. Bon sinon j'espère que vous avez aimé cette vidéo pack opening. On se retrouvera pour une prochaine. Allez, au revoir tout le monde.